Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je vous propose une recette avec les fraises. Je vous avais promis sur Instagram de vous proposer d'autres recettes à base de ce magnifique fruit. C'est une recette de verrine fraise mascarpone. Celle-ci, je la réalise souvent car tout le monde adore. C'est léger, frais et savoureux. La recette est rapide et simple. Je sais qu'il y en a qui appellent ce dessert le tiramisu aux fraises, mais pour moi, le tiramisu, c'est vraiment le classique et c'est fait à base de café. C'est pour cela que je l'appelle plutôt verrine fraise mascarpone. Je vous propose, mes pommes d'amour, de passer à la recette. Pour réaliser le coulis et la purée de fraises, vous aurez besoin de 400 g de fraises, du jus de la moitié d'un citron, de 20 g de sucre en poudre et d'un sachet de sucre vanillé. Après avoir lavé et équeuté les fraises, je les coupe en petits morceaux et je les mets dans un grand récipient.
Ensuite, j'ajoute une pincée de sel dans le saladier contenant les blancs et je les monte en neige bien ferme. Veillez bien mes pommes d'amour à utiliser des œufs frais et montez bien les blancs en neige pour obtenir derrière une crème bien ferme. J'ajoute par la suite les 20 g de sucre restant pour serrer les blancs. Et enfin, je recouvre de crème au mascarpone.
dans les ingrédients, je vous ai dit que vous avez seulement besoin d'un paquet, c'est-à-dire de 5 biscuits à la cuillère. C'est la première fois que je réalise ces verrines dans ces bocaux. C'est pour ça que le dosage n'est pas exact au niveau des biscuits à la cuillère. Donc, ne m'en voulez pas, mes pommes d'amour. Voici mes petits desserts fraises mascarpone, mes pommes d'amour. Ils sont trop jolis. C'est la première fois que j'utilise ces bocaux pour réaliser un dessert à base de mascarpone et je recommencerai car je trouve ça très joli, très présentable. Et hop, je prends une bonne cuillère. J'adore personnellement les desserts à base de mascarpone. Vous le saurez par rapport à mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je trouve ça frais, léger, délicieux après un repas. Ma vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à la filmer pour vous. J'espère que vous testerez prochainement la recette. Likez, commentez, partagez mes pommes d'amour. Je compte sur vous. Je veux un maximum de pouces bleus. Prenez toujours bien soin de vous et de votre famille. Savourez les instants entre amis, famille, etc. Personnellement, ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas vu ma mère et mon père. Ils me manquent énormément ainsi que le reste de ma famille. Soyez contents de les avoir tout près de vous et rendez-vous compte de la chance que vous avez. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, mes pommes d'amour. Ciao, ciao !